La météo, Marlène Duret, demain soleil et chaleur au programme, à nouveau. Oui, beaucoup de soleil dès le matin, Laurence. Les rares grisailles matinales seront vite dissipées, notamment près des rivages méditerranéens. On a aussi des petits nuages de beau temps qui peuvent circuler en matinée, du côté de la Bretagne ou encore entre le Nord-Pas-de-Calais et le nord de l'Alsace, donc le long des frontières belges et luxembourgeoises. Et puis en cours de journée, le temps risque de devenir menaçant entre l'Ille-et-Vilaine, l'intérieur des Pays de la Loire et la Basse-Normandie, avec quelques petites ondées très locales. Pas vraiment organisé, des ondées orageuses qui peuvent se déclencher en fin d'après-midi, alors qu'une perturbation tentera d'entrer dans le pays par le Finistère avec quelques averses, ou alors on s'arrêtera là. Du côté des températures, parler de dôme de chaleur est un abus de langage, comme nous le rappelait le météorologue Nicolas Lefriant tout à l'heure dans le journal de la mi-journée sur Europe 1. Cela vaut pour le sud du pays, mais dans le nord, c'est plus discutable. En revanche, on est tous d'accord pour dire qu'il fait inhabituellement chaud pour un mois de mai, et des records de température devraient être battus ces prochains jours. On sera 10 degrés au-dessus des moyennes de saison demain, sauf près du littoral. Là, c'est moins vrai, avec 22 degrés à Nice et Brest. Mais dans les terres, Météo France prévoit 26 à 31 sur la moitié nord, avec 30 à Paris. Et puis 29 à 33 dans le sud, 33 dans le Lot et le Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup, Marlène, pour cette météo.